Le micro, Pierre. Le micro, Pierre. Je viens de me rendre compte moi-même. Imaginez-vous, j'avais commencé à vous parler pendant 10 minutes, puis micro fermé. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Sortie de classe. Ce soir, on rencontre, comme d'habitude, des gens super inspirants. Et on va aussi parler d'orthopédagogie. Qu'est-ce que cette bibitte-là? Parce qu'ils sont là autour de nous autres. Là. Quand on est prof, les orthopédagogues sont là, puis ils rôdent. Hein? On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais oui, on sait ce qu'ils font. Mais on va en parler. Et voilà. Donc, ce soir, mon collègue co-animateur n'est pas avec moi. Et je dois vous avouer que j'ai un petit rhume. Ce n'est pas COVID. J'ai testé. Ce n'est pas COVID. Je suis correct. Mais avec tout ça, on oublie que le rhume, la grippe ou tous les autres cossins qu'on ramassait d'habitude existent. Ça existe encore. Donc là, on est là-dedans. Alors, écoutez, n'oubliez pas, ceux et celles qui nous écoutent ce soir, vous pouvez commenter. Donc, vous pouvez commenter. Si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Moi, je vois vos commentaires, donc gênez-vous pas. Je ne passerai pas nécessairement tous vos commentaires à l'écran. Mais si vous avez des questions pour nous inviter, si vous avez des beaux messages à leur dire, faites-moi signe, écrivez-moi ça. Vous pouvez nous dire un petit bonjour aussi, puis d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous nous écoutez, ça va nous faire plaisir. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour revoir l'émission, vous allez sur ludoka.ca/sortie de classe. Donc, l'émission qui est là présentement, c'est celle de la semaine passée. Donc, après l'émission, ce soir ou demain matin, je vais mettre la nouvelle. Mais c'est toujours disponible sur la page du Centre d'apprentissage Ludoka et sur la chaîne YouTube aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui! On est en balado-diffusion pour ceux et celles qui sont dans le trafic ou qui sont dans le transport en commun pendant quelques heures. Alors, vous pouvez nous écouter, nous réécouter. Et en passant, faites attention, c'est sur Pierre qui roule et non sur Ludoka et sortie de classe. Donc, vous cherchez Pierre qui roule là, sur les différents réseaux et vous allez trouver notre sortie de classe. Et il faut que je le dise aussi, mesdames et messieurs, je suis un TikToker. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait reconnaître dans un restaurant en tant que TikToker. J'ai 4000 abonnés. Je ne suis même pas très présent. Ce n'est pas moi qui en fais le plus. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, je t'ai vu sur TikTok! » Puis la personne avait un sourire. Donc, j'imagine que mes vidéos passent, j'imagine. Évidemment, je parle d'éducation sur TikTok. Donc, je vais faire arriver ma co-animatrice du jour. On va dire ça de même. Alors, c'est Marilyn. Allô, Marilyn. Allô, ça va bien? Ben, ça va super bien. Écoute, le soleil apparaît tranquillement, mais là, tu viens de m'avertir tantôt qu'il y avait du verglas. Alors, je vais te faire partir tout de suite. Merci, bye. Non, non. Parce que là, tu sais, sortie de classe, c'est du positif. Puis là, Mais tu m'as demandé la météo, je te l'ai dite. Je sais, j'espérais qu'elle arrive avec des bonnes nouvelles, mais bon. Hey, Marilyn, bonsoir. Et ce soir, tu nous présentes quelqu'un de bien inspirant. On n'en parle pas plus que ça tout de suite. Puis, on la rencontre après ceci. Allô, Caroline! Salut! Alors, aujourd'hui, en fait, ce soir, on a la chance d'être avec la grande, la grandiose, l'inspirante Caroline Gingras. Mais oui, Anne, tu prends le compliment. En tant qu'enseignante du premier cycle, je sais que tu es très connue, surtout au premier cycle, mais tranquillement, tu montes au deuxième cycle avec tes spirales dont on va parler tantôt. Mais je sais pertinemment que tu as changé le quotidien slash, / la vie de plusieurs enseignants ou enseignantes. Alors, je vais te demander d'abord, présente-toi. Qui es-tu, Caroline, là, pour que les gens le sachent? Qui je suis? Bien, je suis une personne très simple, maman de 5 enfants, qui travaille à temps plein. J'ai fini mon bac en 2002, donc ça fait quelques années que je suis dans le monde de l'enseignement. Puis, je suis à ma 17e année en première année. Les trois dernières années, j'ai fait du double niveau, là, donc, mais plus au premier cycle, là, c'est vraiment mon dada. Je suis un peu dada des petits, de toutes les images, les idées, les étoiles qu'ils ont dans les yeux. Donc, c'est ça. Donc, je suis une personne très sociable, très amicale. Donc, c'est ça. J'aime ça être entourée, j'aime ça être bien entourée de gens. Donc, voilà, c'est un peu moi. Et là, tu as mentionné que tu avais 5 enfants.
Oui. Et que ton dada, c'était le premier cycle. Effectivement, tout un dada, parce que moi, je te connais comme une personne extrêmement passionnée, parce qu'on a Caroline, la prof, là, qui tu connais vraiment, bon, ta PDA, tes trucs, tu sais où tu t'en vas. Ça fait plusieurs années que je te suis. Donc, on a Caroline, la prof, mais moi, je trouvais ça important de parler aussi du niveau entrepreneur aussi, parce que de fil en aiguille, tu es devenue une entrepreneur. L'enseignement t'a permis d'avoir une petite compagnie, mais une petite. Ouais. Quand même une bonne compagnie, mis à part le fait que tu travailles temps plein et que tu sois maman de 5 enfants. Et là, c'est là où moi, tout d'un coup, mon admiration est comme, je me prosterne devant toi. Ah, moi, j'en ai 3, je trouve ça intense. Et toi, je t'avais déjà parlé, je t'avais dit, dors-tu? Oui, c'est pas la seule. C'est souvent les questions que tu as. Donc, oui. Parle-moi un peu, tu sais, bon, Caroline, entrepreneur, je ne sais pas si on devrait parler de tes spirales avant ou que tu devrais, peut-être que tu veux nous parler de comment ça a commencé. Oui, bien, si tu veux, en fait, c'est ça, moi, le lien va peut-être paraître un peu bizarre, mais moi, quand j'ai eu mes enfants, j'étais une adepte de scrapbooking. Donc, j'aimais beaucoup, j'ai toujours été très artistique, j'ai toujours beaucoup aimé mettre des petits trucs, des petits accessoires. Donc, tu sais, quand je dis que j'étais un petit peu dada, des images, tu sais, donc, c'est à partir de là, dans le sens où, ben quand j'ai recommencé à travailler, il a fallu que je mette ça un peu de côté, évidemment, parce que ça prend beaucoup de temps. Puis, ben la création de matériel, ça m'a comme permis de retrouver ce petit côté créatif-là que je pouvais pas utiliser autrement. Puis, j'aime beaucoup travailler par atelier dans ma classe. Donc, souvent, je créais mes propres choses pour mes élèves. Et j'ai une amie qui s'appelle Estelle qui m'a suggéré, ben écoute, Caro, pourquoi tu ne vendrais pas tes choses? Puis là, ben sur le coup, je vais ben non, voyons donc, je peux pas croire que, ben voyons, tu sais, fait que j'ai eu de la misère à me. Puis là, à un moment donné, ben je me suis dit, ben OK, ben je vais partir, ben, je vais mettre une page Facebook. Donc, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui participe à mon entreprise. Donc, lui, c'est lui qui s'occupe de toute la partie web et etc. Donc c'est ça, on a parti la page. Puis là, ben c'est comme parti en fou. Donc, c'est ça. Donc, c'est au fur et à mesure, ben là, mettre les documents. Donc, j'étais très active aussi sur les sites de partage, là, sur Internet. Donc, c'est ça. C'est parti de là, d'une simple idée, d'une amie qui m'a dit, ben il me semble que ça serait... tu sais, pourquoi? Puis moi, je me trouvais un petit peu imposteur. Je me disais, tu sais, qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que j'ai à offrir de différent? Puis, ben c'est ça. C'est de fil en aiguille. Les gens ont commencé à connaître plus mon nom, puis à acheter des trucs. Donc, c'est ça. Puis, on en discutait il n'y a pas longtemps, Marilyn, mais... moi, j'aimais beaucoup Pinterest. Donc, puis à un moment donné, ben, à force de voir des idées, c'est là qu'est apparu le concept de spirale que j'ai vu qui est très populaire aux États-Unis. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux qu'on continue sur la lancée. Mais là, j'allais te couper parce que les spirales, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce serait important de l'expliquer parce que ça a comme révolutionné l'enseignement. De beaucoup d'enseignantes. Et c'est de parler à plusieurs enseignantes et enseignants d'un peu partout au Québec. Et avoir le nom Caroline Gingras, c'est comme un saut de qualité là, qu'on a en bas de la page. C'est sûr que c'est toujours pertinent. C'est sûr que c'est toujours étudié. Tu as parlé tantôt que tu étais bon artistique, que la petite image est ici et là. On en avait déjà parlé que tu pourrais presque être infographiste tellement c'est parfait, tu as le souci du détail. Mais au-delà de ça, dans tes spirales, tu es vraiment allé étudier, tu es vraiment allé chercher, ben un peu dans, comme le concept américain, là, tout ce qu'il y avait, dans le fond, c'est un entraînement, tout ce qu'on peut consolider en mathématiques. Et ensuite, tu as renchéri ça en français. Donc là, je te laisse parler des spirales des maths parce que moi, personnellement, tu m'as presque sauvé la vie en classe et je sais
que, tu sais, dans cet entraînement-là complètement, tu sais, qui est à tous les jours quotidien, est tellement aidant et rassurant pour les élèves. Je te laisse en parler, là. Ça a commencé aux États-Unis et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est ça. C'est juste que moi, j'ai vu ça apparaître dans... Puis là, j'ai commencé à m'informer, à aller voir un peu, cliquer sur du matériel, aller sur TeacherPTeacher, qui est un site, dans le fond, pour les enseignants. Mais c'est comme le mieux enseigné, oui, c'est mais ça, en anglais. Exactement. Ouais. Mais oui, puis mais il y a des choses quand même en français sur TeacherPTeacher, mais je suis allée cliquer pour en découvrir un petit peu plus. Puis je me suis dit, ben, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en français, il n'y en avait pas avec les notions. Puis moi, dans le fond, le concept de spirale, pour faire simple, c'est que, dans le fond, on permet aux élèves de travailler, dans le fond, il y a c'est sur 5 jours, puis il y a 5 notions différentes qui sont vues à chaque jour. Donc, par exemple, je sais pas, les solides, les termes manquants, l'ordre croissant, puis je sais pas, l'addition répétée. Bon, donc, le lundi, ils font la première rangée, puis le lendemain, c'est exactement la même notion, mais qui est présentée dans un ordre différent, avec des chiffres différents. C'est la même chose pour le mercredi, le jeudi, le vendredi. Tu sais, puis ce qui est le fun, là, c'est super versatile comme... j'utilise ce terme-là tout le temps, mais c'est super versatile parce qu'il y a des enseignants qui m'ont dit, ben moi, la première rangée, je le fais avec mes élèves. Le lundi matin, par exemple, je le fais avec mes élèves. Après ça, les 2 autres rangées, ils les font par équipe. Puis les 2 dernières, ben je vérifie si, dans le fond, la notion est comprise. Donc, tu sais, il y a cette façon-là. Donc, c'est sûr que moi, j'ai commencé par mathématiques. Moi, j'avais un matériel pédagogique, j'ai un cahier de maths. Puis je trouvais que souvent, ben c'est... on voit une notion, puis après ça, ça prend plusieurs mois avant qu'on revienne sur la notion. Donc, je me disais, ben pour l'intégrer, tu sais, il faut qu'il revoie constamment. Tu sais, dans le temps, il appelait ça de la drill, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est toujours de refaire le même concept, mais d'être capable de varier un peu les. Puis souvent, dans le même mois, on peut retrouver encore les mêmes concepts la semaine d'après, mais demander d'une autre façon. Donc, mais en fait, c'est un entraînement puissant pour le cerveau, finalement, la répétition, surtout avec les petits, c'est vraiment très puissant côté mémoire, puis dans la consolidation des apprentissages. Donc, moi, quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça génial. Ouais. Et là, ensuite, t'as adapté ça en français. Ouais. Est-ce qu'ils font aux États-Unis en français ou c'est vraiment de ton cru? Ah, écoute, je le sais même pas. Je ne sais même pas s'ils le font en français, mais tu sais, moi, je l'avais vu, là, ils appellent ça le math review. Puis, moi, je l'avais vu en mathématiques. Puis, tu sais, dans le fond, il y a différentes façons aussi de mise en page. Moi, la mise en page, ben j'ai décidé de la faire de façon horizontale, mais j'ai déjà eu de façon verticale aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment... mais en français, c'est une très bonne question, je le sais pas. C'est juste que moi, j'avais beaucoup de demandes. On me demandait souvent, vas-tu le faire en français? Vas-tu le faire en français? Puis, tu sais, des fois, on a de la misère à varier nos activités, des fois, on ne veut pas que ça soit trop répétitif, mais en même temps, on le sait, c'est la répétition qui va faire en sorte que ben, les choses vont s'imprégner dans le cerveau, donc c'est ça. Mais écoute, moi, je les adore, tes spirales. Les routines du matin, c'est facile. Les enfants, des fois, je le vois, quand ça fait à peu près 8 fois qu'ils le font, là, il y en a certains qui ont besoin de 8 fois. Ah, oh, mon Dieu! Ah, oh, ben c'était ça! Ben oui, c'était si simple que ça, bravo! Et en plus, ça revient plus tard. Ouais. T'as certains mois qui sont un peu des révisions. Concept génial. Merci beaucoup de l'avoir adapté. Je t'en serai toujours reconnaissante. Mais là, je veux revenir à Caroline, à l'entrepreneur. Là. Oui. Parce que je sais que ton site transactionnel n'est pas sur Mieux enseigner. Parce que là, ça, avec les réseaux sociaux, on voit plein de partages d'autres profs entrepreneurs un peu. Oui, on a quand même, c'est fou le choix qu'on a. Des activités tout inclus. Des fois on a des boutiques chouchou qu'on va revisiter. Oui, oui. Moi, la tienne est de loin ma chouchou. Mais comment tu as décidé, là, de... Tu sais, c'est pas juste les spirales que tu fais, là. Tu offres plein d'ateliers, des boom cards. Ouais. Comment tu fais pour varier? Pourquoi, tu sais, c'est devenu gros, là? Comment c'est arrivé, là? Bien, en fait, en faisant mes recherches, puis tu sais, j'allais dire,
parce qu'on recule d'il y a 4 ans. Tu sais, quand tu commences, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, moi, j'avais parlé avec la boutique de Mathieu, donc Mathieu Morin. Puis, il a été super fin. Il m'a dit, ben, tu sais, prends le temps de regarder telle chose, prends le temps de regarder telle chose. Donc, j'étais allée prendre tes informations. Ben, OK, mieux enseigner, c'est telle chose. Parce que quand tu veux devenir, dans le fond, vendeur, il faut comme que tu achètes une... je vais appeler ça une licence, mais je ne suis pas sûre qu'ils appellent ça comme ça, mais il faut que tu achètes comme un droit de vente. Puis, ben, c'est comme tu payes des redevances. Donc, dans le fond, c'est comme une location. Donc, le montant que tu demandes, donc par exemple, ton document il coûte 3 $, tu le vends 3 $, mais il faut que tu payes une redevance de tant de pourcentage de ce montant-là. Et en plus à ça, il faut que tu dois ajouter les transactions PayPal. Parce que PayPal, c'est pas juste la transaction qui se fait dans un compte PayPal. C'est tout ce qui est Visa, Master, bon, etc. Donc, quand j'ai regardé ça avec mon conjoint, moi, mon chum, il m'a dit, hey, je peux te faire ça, moi, une boutique en ligne. Voyons, chérie, là, une boutique en ligne. Mais finalement, tu sais, avec GoDaddy, on a décidé de faire ça de cette façon-là. C'est sûr que je me le fais souvent demander. Est-ce que ta boutique est sur Mieux Enseigner? Est-ce que ta boutique est sur Teacher Pay Teacher? Je me questionne, tu sais, à chaque année, est-ce que ça serait bien de mettre mes choses? Mais je reste avec le désir de garder ma boutique. Tu sais, c'est vraiment ma boutique à moi, c'est vraiment mes choses à moi. Donc, les gens, quand ils arrivent sur ma boutique, ben ils savent que c'est que mes produits qui sont là. C'est comme pignon sur rue, finalement. Puis j'ai juste je vais ajouter un dernier truc parce que Caroline, on est là en train de parler de l'entrepreneur, mais Caroline, c'est une généreuse sur les réseaux sociaux. Elle va partager plein de trucs gratuitement malgré le fait qu'elle pourrait les vendre dans sa boutique. Mm-hmm. Et quand elle a décidé, tu sais, dernièrement, là, les boom cars, c'est devenu assez gros. Elle a décidé qu'elle faisait des boom cards, mais elle a décidé qu'elle faisait un document explicatif pour expliquer à tout le monde comment faire des boom cards. Tu sais, côté marketing, c'est peut-être pas conseillé, mais d'un autre côté, les gens te trouvent tellement fine et on est comme, ah ben là, si c'est Caroline qui l'a fait, c'est tellement clair, c'est ça, ça sera clair, c'est ça, ça sera précis. Donc moi, il y a l'aspect aussi Caroline la prof, Caroline l'entrepreneur, mais aussi Caroline la généreuse. T'es présente, t'es là, toujours prête à aider. Donc, ça, ben, c'est très noble. Ah, mais c'est gentil, mais je crois beaucoup au partage entre enseignants. Tu sais, il y a beaucoup de mes collègues, des fois, qui disent « Ouais, mais tu sais, pour moi, c'est la richesse qu'on peut avoir d'être en groupe, de pouvoir partager, de pouvoir… » Tu sais, moi, ça fait 7 ans que je suis à la même école. C'est une nouvelle école qui a ouvert. Puis, ça fait 5 ans que je change de collègue. En première année parce que, bon, etc. Mais moi, là, c'est important pour moi que ces personnes-là soient accueillies, que ces personnes... Puis peu importe, là, tu sais, je veux dire, partager, c'est... Donc, tu sais, quand les gens m'écrivent, ben des fois, je vais prendre, tu sais, bon, Marilyn, on s'est connus dans cette forme-là, dans le sens qu'à un moment donné, tu m'as écrit, j'aurais le goût de te parler de quelque chose. On a pris du temps ensemble, puis finalement, ben regarde, il y a une belle amitié qui s'est développée aussi, mais ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, moi, j'ai pas la science infuse. Moi, j'apprends toujours, tu sais, dans le sens que je pense pas connaître tout. Je connais des choses, je connais pas tout, mais j'aime ça apprendre des autres aussi. J'y crois beaucoup, donc je me dis, le partage, pour moi, c'est ça. Puis si ça peut être utile à d'autres, moi, recul de 20 ans, j'aurais peut-être aimé ça, avoir autant de personnes disponibles pour apprendre, pour découvrir des choses. Donc, les réseaux sociaux, ça a du bon, ça a du mauvais, on le sait. Mais dans mon cas, j'ose espérer que c'est que positif de pouvoir partager des choses avec d'autres, là. Et avant de terminer, as-tu des conseils à donner? Parce que, tu sais, c'est quand même une entreprise. Il faut que ce soit rentable, une entreprise. T'as-tu, ben, quand même. Mm-hmm. Donc, on pourrait en reparler. Mais as-tu des conseils à donner à ceux qui hésitent, qui penseraient peut-être à débuter une boutique? Écoute, très bonne question. C'est sûr que... faut avoir le goût d'y mettre du temps. Donc, c'est pas tout de mettre des choses à vendre.
Il y a beaucoup de services à la clientèle à faire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la partie où moi, tu sais, parce qu'au travers mes 5 enfants, au travers le temps plein à l'école, au travers mon réseau social aussi, qui est super important pour moi, ben c'est de trouver du temps pour être capable de répondre aux gens, aux demandes. Puis, puis c'est ça. Des fois, les demandes sont particulières. Donc, faut faire le tri dans tout ça. Donc, tu sais, moi, je le dis puis je le redis. Moi, je n'existerais pas. Ma compagnie n'existerait pas si j'avais pas mon conjoint avec moi qui fait cette partie-là aussi avec moi. Tout ce qui est transaction, tout ce qui est donc boutique web. Tu sais, moi, là, je crée. Moi, c'est ça que je fais dans la vie. Moi, je crée quelque chose. Puis après ça, ben lui, je lui remets ça entre les mains, puis c'est lui qui va mettre les choses en place, c'est lui qui va faire les liens pour Instagram. Tu sais, fait que lui, il est vraiment avec moi. Moi, je suis chanceuse. Je dis pas que ça prend absolument un conjoint qui fait ça, c'est pas ça que je dis, parce que j'en connais des créateurs qui font ça vraiment tout seuls, et moi, je leur lève mon chapeau, parce que moi, me retrouver au travers tous ces détails-là, moi, je suis contente de pouvoir juste m'occuper de ma création. Je ne sais pas si j'aurais... En fait, je n'aurais pas toutes les capacités pour faire tout ça, parce que c'est beaucoup aussi, mais c'est ça. Donc, je ne sais pas. De se lancer, oui, de... Je ne sais pas. Mais Caroline, en fait, ouais. Tu réponds à un besoin, puis ouais. Tu parlais tantôt... Ça m'a titillé un petit peu, là, mais c'est correct. Puis moi aussi. Non, mais je pense qu'on passe tout par l'espèce de syndrome de l'imposteur. Je comprends pas ça. Ouais. Moi, je pense pas qu'un chirurgien passe par le syndrome de l'imposteur ou bien l'avocat. C'est juste nous autres. Ça. Non, mais c'est à vous. Vas-y. Non, mais tu sais, ce que j'aime de toi, c'est que bon, tu dis. OK, bon, t'as pris les moyens du bord là, avec ton copain et tout ça. On est allé GoDaddy, c'est du click and play, ça fonctionne quand même bien. Mais en même temps, bon, tu créais déjà pas mal, je pense, à l'avance. Oui. Déjà, oui. Avant ça, tu créais déjà beaucoup. Oui, oui. Là, tu t'es dit, ben, tant qu'à ça, aussi bien en vendre un peu. Mais tu sais, tu te rends compte que tu réponds à un besoin. Donc, l'imposture n'est plus là, là. Tu sais, je veux dire. Mais... Ouais, je pense que j'ai peut-être utilisé imposture. En fait, ben, tu sais, Marilyn, quand tu me dis, puis je te le dis souvent, tu sais, quand tu me dis « Oh my God, Nana! » Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Non. Ça c'est, non, mais là, t'as un peu. T'as de la difficulté à recevoir. C'est pas pareil. Oui. Bon. Oui, mais en même temps, je me dis « Qu'est-ce que moi? » Mais je me dis, tu sais, je trouve ça toujours fascinant de voir à quel point, tu sais, les gens sont comme « Oh my God! » Tu sais. Mais je me sens pas, moi, de... Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est si... Tu sais, je le vois, je l'entends, mais on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est juste... Je sais pas, c'est... Normal. Ouais, mais Caroline, j'ai de la misère à faire. Mais, ouais, mais Caroline, tu sais, des fois, on écrit sur les réseaux sociaux, on partage des choses, et on ne sait pas l'impact qu'on a sur les réseaux sociaux. Tu fais une conférence, tu as 400 personnes en avant de toi, tu sais s'ils aiment ça ou pas, là, ta conférence. Là. Ça se peut que tu reçoives des souliers. Non, mais tu vois, là, ouais, tu vois les gens. Tout à fait. Tantôt, je disais que j'étais sur TikTok, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je te connais sur TikTok. » Je dis « Puis, ah, c'est super bon. » Mais on ne sait pas. Non. On n'a aucune idée de l'impact qu'on a. Et non, tant qu'on ne soit pas de tomate, on continue. Hein. Non, c'est clair. Puis tu sais, c'est comme... Tu sais, à un moment donné, on va manger, puis il y a quelqu'un qui s'assoit avec nous, puis « Hey, c'est Caroline Gingras! » « Oh my God! La Caroline Gingras! » Mais moi, ça, je sais pas, on dirait que j'ai de la difficulté avec ça. Mais, coudonc, c'est peut-être pour ça que tu es si bonne, parce que tu te remets souvent en question, puis ah, tu ne t'assois temps. Pas. Bon, ben voilà, non, c'est, je pense temps, que c'est temps. Le secret aussi de se dire oh, « ben, je veux pas m'asseoir un peu sur mon succès. » Non. Donc, oui, parce que au premier cycle, Caroline, elle est très connue, tout le monde la connaît, elle est bonne. Alors, je te le dis, prends-le, t'es magnifique, t'es bonne. Je vais le mettre dans mon petit coffre, promis. Hey, merci beaucoup, Caroline, de ton passage. Hey, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'ai mis ton site dans le clavardage, qui est très beau en passant. Alors, continue ton excellent travail, on aime ça. Et puis, on se revoit. Ben, tu reviens quand tu veux. Ben, j'espère. Ben oui, avec plaisir. Parfait, Caroline. Merci. Bye, tout le monde. Marilyn. Oui. Elle est inspirante. Elle est magnifique. Elle est bonne. Ben oui, ouais. Tu ne gênes pas. Hein? Tu continues. Hein? Tu t'invites. Ben, avec plaisir. C'est toujours un plaisir.
Excellent. Merci beaucoup encore, Marilyn, puis on se revoit bientôt. On se revoit bientôt, bye-bye. Et je passe maintenant, là on va parler de parcours, de parcours un peu spécial, les deux prochains invités. On parle avec Nathalie Ladouceur tout de suite après ceci. J'ai choisi la jeunesse droit devant parce que bon, tu travailles avec des jeunes et tout ça. Là. C'est pour ça le petit cliché, le petit. Je me suis dit, tu les aides, tu les pousses plus loin. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, merci toi-même. Je pense que le contact est meilleur que tantôt. Ah, c'est bon ça. Oui, on aime ça les internets comme ça. Hey Nathalie, tu m'as écrit un courriel puis tu m'as dit, Pierre, moi, j'enseigne, mais je m'en allais pas là. Ben, tu n'as pas écrit ça comme ça, là, mais ta formation et ce que tu fais présentement, c'est deux choses différentes. Là. Je te dirais ou que... presque, je dirais. Oui, ouais. Presque, parce que dans le fond, moi, ouais. Je voulais m'en venir ici, sauf que comme j'avais un mari, trois enfants, je ne pouvais pas arrêter d'aller à l'école... Je ne pouvais pas arrêter de travailler pour aller à l'école, mais j'avais un DEP en comptabilité, fait que ça m'a permis d'aller faire mon bac et mon expérience en adaptation scolaire m'a permis d'avoir le champ parce que, à part mes stages que j'ai fait en formation professionnelle puis aller enseigner deux étés, c'est à peu près le seul contact que j'ai eu. Et tu enseignais au professionnel? En comptabilité. Et là, adaptation scolaire, pourquoi? La vraie raison, c'est que probablement, si ça avait existé dans mon temps, j'aurais été la première assise en avant, pas de par mes difficultés d'apprentissage, mais beaucoup plus de par mon comportement. Ah. Puis parce que moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, puis ces jeunes-là en ont tellement besoin. Puis le fait de devoir me casser la tête à tous les jours et de me remettre en question à tous les jours pour essayer de leur en faire apprendre le plus possible. Mais moi, c'est ça qui venait me chercher. C'était pas nécessairement les notes qui sont plus... Mais c'est de leur montrer que s'il y a quelqu'un qui est avec toi puis qui croit en toi, ben tu vas pouvoir te rendre plus loin dans la vie. À la limite, tu vas te rendre où tu veux. Je suis d'accord avec ça. Vraiment. Parce que on focus. Je suis vraiment d'accord avec toi. Le positif, surtout pour ces enfants-là qui... À chaque fois qu'ils reçoivent un examen ou qu'ils sont obligés de faire quelque chose, la tâche est comme tout le temps une montagne à monter. Présentement, c'est quoi ton quotidien? Es-tu dans une classe en adaptation? Donc, tu enseignes à la journée longue avec des élèves qui ont des difficultés. Oui, j'enseigne à journée longue avec des élèves qui ont des difficultés. C'est sûr que j'ai trois spécialistes qui viennent en classe. Trois parce que j'en ai un qui fait l'anglais, un qui fait l'éduc et une dame qui fait aussi le CR et l'art plastique. Sinon, c'est okay. Moi qui les ai à journée longue tout le temps. Mon quotidien, il est très simple. On est ensemble le matin. Il y a beaucoup de répétage, on va se dire. Il y a beaucoup de jobs de psychologue, même si je ne suis pas un psychologue, parce qu'ils ont besoin de parler, parce que ça n'a pas bien été, parce que... Hier, il s'est passé quelque chose. Fait qu'on a tout le temps cette petite partie-là de la journée. On a du comportement à redresser parce que ces jeunes-là sont très un maître, une personne. Ouais. Donc, les spécialistes, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est de les amener à leur montrer que dans un milieu de travail, tu n'aimeras pas tout le monde, mais tu n'auras pas le choix de respecter les règles de la personne et de respecter la personne. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus un job de... Je veux en faire des citoyens qui vont être capables de subvenir à leurs besoins et qui ne seront pas étiquetés et mis de côté. Wow! Et ils ont quel âge, tes élèves, à peu près? Entre 13-15. Mais habituellement, j'ai les 14-15, certains ont 16. On est dans l'ado, là. Je vais te poser une question, peut-être un peu. Tu me dis si tu n'es pas à l'aise de répondre, mais est-ce que est-ce la bonne solution? De mettre ces élèves-là dans la même classe au lieu de les intégrer dans des classes c'est la bonne normale. Oui, c'est la bonne décision parce que la plupart du temps, ils n'ont pas assez de temps, premièrement. Comme je disais tantôt, moi, par chez nous, je vois beaucoup plus de jeunes qui reviennent du régulier et non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences de le faire, mais parce que ils sortent du primaire avec un prof, une classe, et là, j'ai 8 profs,
ça ne fonctionne pas. Non. Il y a des difficultés familiales à la maison. Il y a des gens qui, tu sais, ils n'ont pas les sous pour s'habiller comme les autres. Fait que le fait d'être dans une classe comme ça, ben, ils sont totalement à part. Ils sont pas capables de suivre. Fait que moi, oui, je crois à l'intégration de certains élèves, mais il y en a pour qui ça ne fonctionne pas et les classes d'adaptation scolaire sont là pour ça. Donc, le mur à mur, là, c'est pas ton genre. Non. On intègre tout le monde, là, c'est pas ton genre. Non, jamais. Je vais me battre contre ça, là, pour vrai, là. Oui, mais ces élèves-là, tu parlais qu'il y avait, bon, des difficultés, des problèmes familiaux. Donc, on part pas à zéro à même place, tout le monde dans la vie, ça, c'est clair, on le sait déjà, là. Mm-hmm. Mais c'est quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus? Quand tu parlais de... Tu sais, tu dis, je suis psychologue, je devrais pas t'attendre. Ben, je pense que tous les profs le sont un petit peu aussi, ouais. À un moment donné, à quelque part dans une journée, là. Mais c'est quoi les plus grandes difficultés que tes élèves ont à faire face? Ben, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est le manque de confiance en eux parce qu'ils ne se sont jamais fait dire qu'ils étaient bons. Donc, ils ont beau avoir n'importe quoi. C'est ça, ils ont beau faire n'importe quoi. Ils sont valorisés pour plusieurs dans leur mauvais coup. Là. C'est con, mais c'est leur façon de se valoriser. Et pour moi, ça, c'est la plus grosse difficulté parce que d'enseigner de la confiance en soi, ça ne se fait pas. Tu vas expliquer, puis c'est à force du morceler. Tu vives des choses. Exact, il faut vivre des réussites. Et c'est ce qui amène le fait que les profs d'adaptation scolaire doivent tout le temps se remettre en question. Et moi, j'écoutais Caroline, puis je me disais, hey, mon Dieu, que je me reconnais en elle parce que je passe ma vie à monter du matériel, à changer mon système d'émulation. Je pense que ça fait 5 fois cette année que je change mon système d'émulation parce que j'ai beau essayer, ça fonctionne avec un, ça fonctionne pas avec l'autre. Moi, ils sont pas dans des niveaux. J'ai 2 niveaux, secondaire 1, secondaire 2. J'ai des collègues qui ont du 1, du 2, du 3. Aïe, aïe, aïe. Et ils enseignent. Tu sais, moi, je suis pas dans l'enseignement magistral. Je suis dans les technologies. Donc, j'y vais avec les capsules. J'y vais beaucoup avec le... Fais ton horaire. Donc, cette semaine, je veux que tu ailles 5 cours de maths, 5 cours de français, 2 cours d'US et 1 cours de sciences. Ton plan de travail est là. Vas-y avec ce qui te tente parce que souvent, je me rendais compte que si je disais, tu as une écriture à faire, oui, mais madame, j'ai pas d'inspiration. Oui, mais trouve-en de l'inspiration. Puis, si je me remettais dans le temps où j'étais ado, moi, si je boquais puis je disais que j'en ai pas d'inspiration, j'en ai pas. L'inspiration. Donc, mais leur laisser la latitude de faire leur horaire en leur disant « Voici, c'est une petite fiche beige dans laquelle j'ai déposé tous tes travaux. Ils sont aussi sur Classroom. Donc, tu peux le faire via ton Chromebook. Tu peux le faire aussi via... Il y en a qui aiment beaucoup encore le papier-crayon. Mm-hmm. Mais à la fin de la semaine, c'est ce que tu dois me remettre. Tes parents sont au courant. Si tu le fais pas, tu vas l'avoir en devoir. Si tu le fais, tu n'as pas de devoir puis tu es libre pour le reste de tes soirs. Et le fait de leur donner cette possibilité-là de s'organiser, ça fonctionne? Ça fonctionne. Au début, ils doivent être perdus parce qu'ils sont habitués de se faire dire quoi faire. Là. Au début, ça ne fonctionne pas. J'ai quand même mon horaire qui est écrit au tableau parce qu'il y en a qui vont dire, moi, j'ai l'horaire de la semaine. Fait que si tu décides de suivre mon horaire, ben, tu sais que le matin, tu fais français, l'autre matin, tu fais maths. Moi, habituellement, je garde les 2 matières de base toujours le matin. Ouais. Le plus possible parce que c'est là qu'ils sont le plus réveillé, on va dire, pour certains. Moi, je comprends. Mais moi, je les mets là. Fait qu'ils ont la possibilité de dire, moi, je pensais organiser Nathalie, fait que je vais suivre ton horaire. Puis tranquillement, pas vite, on leur montre, regarde, là, il y a moyen de t'organiser d'une certaine façon. Si t'es mieux papier, bien, je vais te le faire papier. Mais là, j'essaie d'inclure les technologies. On est beaucoup sur, est-ce qu'on a le téléphone à l'école ou pas? Ouais. Ça aussi, c'est un débat. Moi, je dirais que je ne suis pas pour le téléphone quand c'est pour texter, mais il y a tellement de choses intéressantes qu'on peut faire avec. Moi, je leur apprends juste avec le téléphone à gérer leur horaire. Tu sais, moi, je leur montre. Là. Moi, ça, c'est tous mes rendez-vous. C'est tout ce que j'ai à faire dans une journée. Puis il y en a beaucoup qui l'intègrent, puis on le fait ensemble pour qu'ils le voient. Fait que de cette façon-là, ils rentrent le matin et ils disent « OK, regarde, j'ai réparti mes travaux. Ça a-tu du sens ou ça n'a pas de sens? » C'est beaucoup de temps. Puis, oui, tu fais pas ça dans la première semaine semaine d'août, là, puis la première de septembre. Là, c'est du long terme. Tu parlais tantôt, on a parlé de famille. Quel est le lien avec les parents à l'âge qu'ils ont? Est-ce que tu as un lien avec les parents? Parce que j'imagine, quand on parle d'élèves en difficulté, il y a un plan d'intervention.
Est-ce qu'il y a encore des liens avec les parents comme on en connaît d'ailleurs au primaire? Bien, c'est un lien à construire, je vous dirais. Là. Moi, je suis très présente et pour mes parents et pour mes élèves, et ils le savent dès le début de l'année. C'est sûr qu'il y en a pour qui l'éducation, c'est moins important, ça ne le cachera pas. Puis nous, on est déjà dans un milieu qui est très défavorisé, donc des fois, le lien peut être coupé pour une raison ou une autre, soit qu'ils n'ont pas eu une belle expérience. Mais c'est à tous les ans, c'est à reconstruire le plus possible. T'sais, moi, je leur dis, vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais le voir. Il y a certains parents à qui, ben, ils n'ont pas l'Internet, donc moi, ils ont un cellulaire. Fait que je leur donne mon numéro de cellulaire parce que c'est plus facile pour eux. Je sais qu'il y a des profs qui vont sûrement grimper d'un rideau en disant, je ne peux pas croire qu'elle laisse son numéro de cellulaire. Moi, je pense que ça, c'est le choix de chacun. Là. Dans le fond, moi, c'est ma façon de communiquer qui est la plus rapide. Donc, mais mes parents sont tous au courant quand je leur dis, si je vous réponds pas, appelez pas 12 fois, là, c'est parce que je suis occupée, je vais vous rappeler. Ouais, il y a une vie à part ça, là. Exactement, mais c'est moi, je pense que si on construit avec le jeune, moi, mes deux premières semaines, j'enseigne pas ou peu, parce que c'est vraiment la semaine du « on crée un lien, je veux que tu saches qui je suis, mais je veux savoir qui t'es aussi mm-hmm. ». Puis, je pense que ce qui fait de moi, parce que moi, j'ai une facilité à créer un lien, mais je suis très transparente avec eux autres. Moi, j'ai pas de problème à leur dire quel âge j'ai, puis que j'ai un mari, puis qu'il s'appelle Eric, puis que j'ai trois enfants qui sont rendus grandes, puis que... Et que des fois, tu files pas. Exactement. Moi, aujourd'hui, je leur ai dit, là, c'est pas une bonne journée. Fait que, puis il y en a même un qui a nommé un autre. Là, tu fais-tu exprès, là, elle l'a dit qu'elle avait pas une bonne journée. Lâche-la, là. J'ai fait, ah, OK, il a compris que... Puis c'est souvent ça. C'est que moi, je commence l'année en leur disant, vous savez, dans la vraie vie, l'été, j'ai trois enfants. Mais quand je recommence à travailler... Ben là, j'en ai comme 20 parce que vous faites partie de ma famille, parce que je passe plus de temps avec vous qu'avec mes enfants, mon chum. Réveillé, en tout cas. Exactement. Puis mes parents. Fait que ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on va passer du temps ensemble pour se mettre à ranger pour que ça soit plaisant. Avoir du plaisir. Oui. Parce que c'est ça, parce que s'ils sont dans ta classe, ils n'en ont pas eu ben de plaisir à l'école. Non. Ils n'ont pas beaucoup de plaisir à l'école. Puis on s'entend que. Quand on parle d'adaptation scolaire, puis tu sais, je vais faire mes guillemets comme ça parce que c'est quelque chose qui vient me heurter. Mais c'est tout le temps les pas bons qui se retrouvent sur le côté, puis qu'on n'offrira rien de spécial pour eux autres. Puis je me rappelle le premier voyage que j'organisais à Toronto, j'ai même des directions qui m'ont dit je peux pas croire que tu penses partir avec eux autres. Là. Voyons. Puis là, j'ai fait non, attendez, là, je vais vous prouver que. Puis avec les jeunes. On avait ramassé le voyage complet de chacun des jeunes. Personne n'avait à dépenser. On s'est impliqué, mais toute la gang ensemble. Le voyage était gratuit pour tout le monde. Puis on a même ramassé trop. Fait que je leur avais donné un 10$ pour se payer des cadeaux. Oui, parce que moi, j'avais dit, on y va tous les repas inclus. Puis quand ils sont revenus, il y en a beaucoup qui me pleuraient dans les bras en me disant, moi, je suis jamais sortie de la chute. Fait que je ne savais même pas que Toronto existait. Mm-hmm. Je faisais comme aïe. Puis ils m'ont dit peut-être qu'un jour je pourrais aller vivre là. Puis j'ai fait bien certain que tu peux aller vivre là. Je vois pas pourquoi tu resterais à la chute. Mais souvent, c'est juste ça qu'ils connaissent. Ouais. Pourtant, on est à 30 minutes de Saint-Jérôme, mais pour eux autres, c'est trop loin. Papa, maman disent que c'est beaucoup trop loin, fait que c'est trop loin. Est-ce que tu connais, Nathalie, la chanson Libérer le trésor de Michel Rivard? Oui. T'es en train de libérer des trésors. Oui, je libère tout plein de trésors. Alors, t'es magnifique. C'est Marc-André qui m'a donné ton nom. Il me dit, Pierre, il faut que tu la vois. Et là, écoute, j'en ai des frissons. C'est fou ce que tu fais avec eux. Je sais pas, des fois, je manque de mots pour dire comment j'apprécie les gens puis que je les trouve super bons. Trouve-toi des super beaux mots, puis donne-toi-les, puis dis-toi que c'est moi qui te les donne. Non, mais c'est je trouve, tu sais, j'ai été prof pendant 20 ans au primaire. J'ai eu des élèves en difficulté dans ma classe, troubles de comportement, tout ça. Et c'est des élèves, quand on leur laisse de l'espace, mm-hmm. tu sais, encadré, mais de l'espace, mm-hmm. on leur montre comment être dans cet espace-là. Et c'est incroyable ce qui ressort de ça après un an. Là. Mais toi, t'es as combien de temps? Ben, un, des fois deux ans. Là. Une à deux ans, mais mon collègue est juste à côté de moi. Fait que l'idée... Oui, c'est ça. C'est que souvent,
on est très friendly les deux, excusez l'anglicisme. Fait que souvent, moi, je vais foutre le bordel dans sa classe, comme je dis, mais lui, il vient refaire la même affaire. Lui, il y a les plus jeunes, puis il me les transfère. Fait que moi, j'ai besoin d'aller me faire connaître l'autre bord pour qu'ils s'en viennent chez nous. Ouais. Fait que le lien, il commence déjà à se créer. Et lui, il vient revoir ses anciens. Fait que ça fait une ambiance qui est vraiment hot. Puis on travaille vraiment en complicité les deux. Mais j'écoutais Caroline, puis je me disais, hey, mon Dieu, le nombre de collègues que j'ai eu différents. Je touche du bois, lui, ça fait 3 ans que je l'ai, puis il pense pas de partir, là, c'est le fun, c'est précieux de travailler avec toi, puis je fais comme, OK, qu'est-ce que tu veux, un bang? Comme un café? Un café tout le matin? Non, c'est faux! Mais ça, c'est très précieux, puis je suis un peu comme Caroline. Moi, ceux qui rentrent en ADAP, on sait qu'on a la vie dure à tous les jours, là, parce qu'une journée, ça peut très bien aller, puis le lendemain, moi, aujourd'hui, j'en ai eu 4 qui ont été suspendus à l'externe, puis... Ça prend un défenseur pour eux autres pour aller dire non, c'est pas comme ça qu'il faut les traiter, c'est pas comme ça qu'il faut agir avec eux autres. Je comprends que tu comprends pas, mais fait que moi, c'est important que tous ceux qui rentrent dans mon école, ben sachent que si jamais tu as un problème, Nathalie Ladisseur est là. Ça fait comme 15 ans que je suis en adaptation scolaire. Fait que je peux t'en trouver des solutions, je peux t'aider. Puis si je peux régler quoi que ce soit ou que tu as peur, je suis là. Puis ça aussi, c'est hyper important. On veut garder nos profs, mais pour les garder, il faut qu'ils se sentent accueillis, il faut qu'ils se sentent eux autres aussi aimés. Parce que s'ils ne se sentent pas bien dans une école, ben ça va transparaître envers les élèves. Et là, ça vient tout foirer. Et quand tu as des élèves 2 ans, la deuxième année, ça doit être du bonbon là au début, là? Pas toujours. Non? Pas toujours. Les élèves d'adaptation scolaire ont une problématique avec l'abandon. Hein. Fait que quand l'été arrive, pour eux autres, c'est comme si je les avais abandonnés. Puis souvent, je fais la joke en leur disant parce que je ne meurrai pas cet été. Hein. Puis moi, j'ai des élèves que j'ai eus il y a 5 ans qui viennent me revoir en me disant OK, c'est vrai, t'es pas morte encore. Hein. Puis je dis non, je suis pas prête de mourir. Là. Mon local va être à la même place. Tu peux toujours venir me voir. Puis je vais continuer à t'aider si ça ne fonctionne pas. Mais pour eux, c'est difficile, ce côté-là. Là, je vous dirais qu'on va rentrer dans le bout le plus difficile parce qu'ils savent que l'été s'en vient, parce qu'ils savent qu'ils vont être laissés à eux autres, parce qu'ils savent que. Bien, la madame Nathalie qui leur dit « je t'aime » à tous les soirs avant qu'ils partent, bien, elle ne sera pas là pour leur dire. Fait que là, c'est le bout de « je vais bousiller la relation ». Exact. Ça ne paraîtra pas que j'ai mal. Ouais. C'est dans ce temps-là où il faut donner encore plus d'amour puis passer par-dessus les jeunes qui vont t'envoyer paître, passer par-dessus les comportements inadéquats pour dire « mais tu sais quoi, je vais t'aimer pareil ». Fait que tu peux essayer de bousiller, mais je vais être là pareil. Nathalie, j'ai un beau commentaire qui dit de Gisela qui dit les élèves s'ennuient de l'école quand ils sont heureux dans leur classe, tu sais. Puis j'ai envie de dire aussi que le temps qu'ils sont dans ta classe, c'est aussi un havre de paix. Hein. Exact. Tu sais, les élèves qui sont en très grande difficulté à la maison puis qui ont des parents, tu sais, que ça brasse de temps en temps. Ils savent que dans ta classe, pendant 5 jours, 25 heures à peu près, une trentaine d'heures, ils ont la paix, ils se sentent acceptés comme ils sont. Exact. Nathalie, quelle découverte encore ce soir. My God, sortie de classe, c'est fou ça, cette histoire-là de cette émission-là. Je rencontre des gens exceptionnels. Je remercie Marc-André de nous avoir mis en lien. Gêne-toi pas, si tu as des beaux projets comme des voyages et des choses comme ça, tu veux nous présenter ce que tu as fait, tu gênes pas, tu as mon courriel puis... Mais on en a un là, qui s'en vient, nous on a fait venir le groupe Deux Frères à la Polyvalente Lavigne pour montrer aux jeunes que pas parce que c'est des chanteurs connus qui peuvent pas venir dans notre auditorium, fait que le 22 avril ils viennent faire un tour puis, ils vont faire un spectacle puis logiquement un jour la pandémie va finir puis la guerre aussi va finir fait que je vais pouvoir faire mon rêve et amener une gang d'élèves à Walt Disney parce que je veux vraiment que certains puissent vivre ça. Alors Nathalie, tu nous tiens au courant là-dessus, hein? Oui, promis. Excellent, merci beaucoup Nathalie. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Oh là 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 là! Non, mais avouez là que c'est intense, là, les deux personnes qu'on vient de rencontrer ce soir, là, c'est fou. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a des gens pour chaque chose. Tu sais, je suis content qu'il y ait des gens pour le préscolaire parce que je le ferais pas. Je ne serais pas capable. Ça serait mieux. En fait, c'est mieux pour les enfants que je ne sois pas au préscolaire. C'est une blague, là. J'ai déjà fait de la suppléance au préscolaire. Mais tu sais, c'est pas notre dada. T'sais.
Et l'adaptation scolaire, c'est un dada, tu sais, c'est quelque chose, c'est planifier quelque chose puis se rendre compte qu'on finira jamais ce qu'on a planifié, soit pendant l'heure ou pendant la semaine. Alors, franchement, je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui enseignent en adaptation scolaire. Et on va continuer cette émission-là, on va parler d'orthopédagogie. Tout de suite après, je cherche mon petit générique, là, ça sera pas long, cipoulette. Tiens, on va y aller avec celle-là. Tout de suite après ceci. Ben, j'aurais pu mettre inspiration, en fait, à tous nos invités ce soir. C'est incroyable tout ce qu'on a comme invité. Lucille Denis, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. On voit que tu es orthopédagogue. Exactement, je suis orthopédagogue. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour te présenter parce que tu ne t'enlignais pas du tout pour être orthopédagogue? Non. Raconte-nous ça. Oui, comme on peut le voir à mon accent, je suis née en France. moi, quand je voulais être petite, je voulais être maîtresse d'école, mais j'avais la perception qu'il fallait être première de classe, ce qui n'était vraiment pas mon cas. Les profs priaient et mes parents mettaient un cierge pour que je réussisse mes examens à chaque fois. Donc, je n'allais pas pour être première de classe. Et comme on a la fibre artistique, un peu comme Caroline a disait, j'ai la fibre artistique dans la famille, j'ai décidé de faire quand j'étais au collège, donc en secondaire, je voulais faire des décors de cinéma. Et donc, je me suis orientée, j'ai fait des études pour devenir scénographe. Donc, j'ai fait des études en France, d'études supérieures en architecture intérieure. Et je savais que je n'allais pas être prise dans les écoles de scénographie en France, mais que j'aimais beaucoup le Québec parce que dans la famille, on aimait le Québec. Donc, j'ai dit, ah, ben, je vais appliquer pour une école à Montréal et sur concours. Et j'ai été acceptée. Okay. Et donc, j'ai fait 3 ans à une école pour être donc scénographe, donc faire des décors et des costumes de théâtre qui peuvent aussi amener au cinéma. Et quand j'ai fini l'école, ben, je n'avais pas beaucoup de contrats. Donc, je travaillais dans un centre de tutorat parce que j'avais déjà fait du tutorat en France. Et c'est là où j'ai découvert le métier d'orthopédagogue. Exactement. La vie est bien faite. Hein? La vie est bien faite. On vient de trouver le lien, là. T'as fait ça longtemps, tutrice? Oui, parce que j'ai travaillé aussi pour eux dans l'administration. Donc, j'ai travaillé 5 ans. Puis après ça, j'ai été embauchée pour travailler dans une école privée pour travailler avec les élèves en difficulté. Et après, là, j'ai pris ma décision. Je faisais toujours des études universitaires, mais à temps partiel. Et là, je me suis dit, OK, à 33 ans, je me suis dit, c'est le temps de refaire un retour aux études au complet, à temps plein. Et donc, j'ai fait un bac en adaptation scolaire. Et tu es orthopédagogue depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là, j'ai fait des remplacements aussi comme prof, mais je faisais toujours des fins de contrat comme orthopédagogue parce que moi, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, on a notre place. Moi, ma place, c'était d'être orthopédagogue. J'aime cette flexibilité-là, en fait. OK. Et là, parle-moi de ça, cette profession-là d'orthopédagogue. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange beaucoup de choses, l'orthopédagogie. ça fait de l'évaluation. Moi, je fais beaucoup de dépistage. Je suis beaucoup en relation avec les profs pour faire des portraits, pour voir comment l'élève évolue. On fait des interventions, que ce soit en classe, en sous-groupe ou en petit groupe réduit. On collabore avec les enseignants, avec les professionnels, avec les parents, avec la direction. On peut aussi aider, former aussi les enseignants. Là, j'ai fait des capsules d'information sur la mémoire pour les parents de mon école. Donc, c'est assez varié, je dirais. Oui. On intègre les outils technologiques aussi, les aides techno. Exact. On est aussi dans l'aide technologique. Oui. Oui. Comme, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Alors, pour les élèves qui ont de la difficulté pour lire, pour écrire, l'aide technologique comme les ordinateurs ou les tablettes ou même aussi les stylos qui scannent le texte, tout ça, ça vient aider un support, un soutien pour les élèves pour qu'ils puissent avoir accès à la compréhension générale. Mais Lucille, c'est pas juste. Ces élèves-là ont accès à des outils, pas les autres. Oui, alors... blague, là. Pierre, on peut enlever les lunettes. Mais c'est, voilà, la fameuse exemple de la lunette. Ouais, mais c'est juste des exemples, c'est un exemple de réaction qu'on a toujours. Tu parlais, bon, que tu faisais de l'évaluation, tout ça. Est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que... on surdose les plans d'intervention. Est-ce que tu trouves qu'on en a trop? Il me semble que depuis un bout, il y a comme ça pullule.
En fait, c'est aussi de savoir le plan d'intervention, à quoi il sert, c'est quoi son utilité, et c'est quoi, comment les profs vont aussi l'utiliser, la compréhension pour les parents. Est-ce que c'est un document qui va être à vie avec l'élève, à vie scolaire, je parle? Oui, je comprends, oui. Ou est-ce qu'il peut être aussi utile pour juste une période? C'est savoir aussi c'est quoi son objectif. Et c'est ça. Et je pense que ça prend aussi une collaboration entre tous les acteurs qui sont dans le plan d'intervention, externe, interne à l'école, pour savoir comment l'utiliser et c'est quoi le plan aussi à venir. Moi, je me fais porte-parole des profs, parce que je suis un prof à la base, mm-hmm. qui a eu à un moment donné une dizaine, une douzaine de plans d'intervention dans sa classe. Et là, ça dit, quand tu lis ça, c'est une très belle lecture de chevet, en passant, ça endort bien. Non, mais c'est intense quand même, on s'entend. Et là, on s'entend que pour Lucille, je dois appliquer telle solution, tel truc, telle stratégie. Mais avec Benoît, je dois faire autre chose. Et avec Jean-Claude, une autre affaire. Ça, de temps en temps, c'est assez intense. Comment ça peut se traduire dans une classe? Moi, comment je fonctionne, c'est qu'on s'asseyait... parce que là, j'ai moins de plein d'intervention pour des raisons, mais je m'asseyais toujours avec la prof et je lui demandais qu'est-ce qui est réaliste pour toi et qui sert aussi à l'enfant. Qu'est-ce que tu peux mettre en place là et qui va aussi aider l'enfant. Fait que c'est écouter bien sûr les besoins de l'enfant, mais c'est aussi un outil que la prof doit mettre en place et utiliser pour l'enfant. Fait que ça, pour moi, c'est très important d'écouter aussi la fiabilité du plan d'intervention. C'est pas juste un document pour faire beau. On veut aider l'enfant vraiment. Fait que qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui va être aussi de façon à ce qu'on puisse voir la réussite à court terme et à long terme. OK. Toi, qu'est-ce que tu préfères le plus? Est-ce que tu préfères aller chercher des élèves, les amener avec toi tranquillement dans ton univers, dans ton bureau? Tu sais, c'est ton univers, tu gères l'univers et tout. Ou on fait des activités en classe avec les autres élèves et toi, tu aides les élèves qui ont besoin d'aide? Tu vois, aujourd'hui, j'étais avec toute la classe, j'ai animé une activité et à la fin, il y a un élève qui m'a dit « Ah, waouh, j'ai vraiment aimé ça ». Alors, j'aime. Mais ce n'est pas un élève que tu suivais, là. Non. Et j'aime être avec les activités, enfin, faire des activités en classe parce que ça me permet de voir aussi nos élèves dans l'environnement de la classe, en interaction avec d'autres. Et ça, c'est important aussi. Mais j'aime aussi avoir ce côté plus rééducation, où là, on prend le temps. C'est sûr qu'il y a toujours le lien aussi à créer, comme parlait Nathalie. Et ces moments-là, je les aime beaucoup parce que je vois un peu plus dans le détail, en fait, leurs besoins. Et je peux plus, moi, aller dans le détail, ce que les enseignants n'ont pas le temps de faire. Et est-ce que tu as suffisamment de temps, justement, avec eux, quand tu t'assois avec eux? Parce que c'est souvent une période, des fois c'est 55 minutes, 54, là, on parle de minutes. Est-ce que c'est réellement bénéfique, ce moment-là? Moi, je travaille par demi-heure et c'est plusieurs fois par semaine. Fait qu'au lieu de passer juste une heure par semaine, et bien, en fait, je ponctue plusieurs fois. Fait qu'on a l'effet répétition dont parlait Caroline avec la spirale. Et aussi, du coup, je peux un peu plus décliner mes interventions. Et d'une fois à l'autre, je peux voir qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. OK. Lucille, j'ai envie de dire la mode, mais c'est pas la mode. C'est, je pense que tout le monde peut faire ça, là, mais la mode est à la balado. La pandémie a sorti des micros, hein, on s'entend là-dessus, tout le monde est en podcast, même qu'il faudra avoir 90 heures dans une journée pour être capable de tout écouter ce qu'il y a. Tu as parti avec Christelle, qui en passant mon ancienne stagiaire de stage 4, elle a fait son stage 4 avec moi. Elle ne l'a pas trouvé facile. En tout cas, non, mais c'est une blague parce que c'était un super beau stage, mais on a eu du plaisir. En tout cas, c'était une autre affaire. Vous avez parti un balado. Parle-moi donc de ça. C'est ça. Il y a un an et demi, je contacte. En fait, c'était au début, mettons l'été de la pandémie, le premier été de la pandémie. Il y en a déjà deux. J'ai contacté Christelle parce que je sais qu'elle est très à l'aise avec les outils techno et qu'elle est aussi orthopédagogue et je la salue au passage. Je lui ai dit, est-ce que tu veux embarquer dans ce projet-là? J'avais vu le projet d'une orthophoniste qui présentait les différentes facettes de l'orthophonie et je me suis dit, on pourrait faire ça aussi pour l'orthopédagogie parce que l'orthopédagogie, c'est pas juste au primaire.
Et donc, et j'ai aussi contacté la DOT, l'Association des orthopédagogues du Québec, pour être en collaboration avec eux. Et tout ce monde-là a embarqué dans ce beau projet de balado. Donc, on est en train d'enregistrer les épisodes de notre deuxième saison. Donc, la première saison, c'était vraiment de présenter l'orthopédagogie dans différents milieux. Et notre saison 2, c'est plus parler de intervention et évaluation, justement. Elle nous écoute, elle nous regarde présentement. On voit Christelle qui écrit « il y a 10 ans ». Ouais, ça, c'est « il y a 10 ans » avec elle. J'étais en stage. Déjà, le temps passe vite. Mais comment ça s'appelle, la balado, Lucie? Micro ouvert sur l'orthopédagogie. OK. Et là, vous parlez là, du quotidien, l'évaluation et tout, et tout, et tout. Vous démocratisez, en fait, l'orthopédagogie. Exactement. Donc, la saison 1, c'était des orthopédagogues dans leur milieu. On a eu vraiment différents milieux. On a eu avec la douance, on a vu avec FGA, on a eu en clinique, on a eu au Yukon, etc. C'était vraiment diversifié. Ouais. Et puis là, la saison 2, on vient chercher plus des spécialistes, des experts dans leur domaine pour nous expliquer un sujet d'intervention ou un sujet d'évaluation. Et ça, c'est aussi très passionnant parce que ça vient chercher toutes les orthopédagogues ou même enseignants d'adaptation scolaire. Et comment on peut avoir, se mettre ça, en fait, des petites choses qu'on ajoute dans notre sac à dos d'enseignants. Lucille, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet automne? Oui, je suis en train de... Donc, je travaille toujours dans les écoles. Moi, je suis dans un contexte bilingue. Merci Christelle pour le lien. Oui, elle vient de mettre le lien, là, Anchor, là. Mais oui, c'est micro en orthopédagogie, oui. Exact. Micro ouvert en orthopédagogie. C'est ça. Donc, moi, je travaille toujours dans mon école. Puis, je veux, en fait, aussi... aider les élèves qui sont un peu plus en immersion francophone. Ah. Donc, je veux un peu développer ma pratique pour ces élèves-là. Ouais. Donc, il y a des petites choses qui s'en viennent pour toi, qui s'en viennent pour toi cet automne. Ouais. Ça va être du côté privé cette fois-ci. Voilà, c'est ça. Ouais. Excellent. Et tu devrais avoir du travail avec, les Ukrainiens qui s'en viennent, avec c'est fou, toute la francisation et compagnie. Hey, Lucille, je vais inviter Mathieu. Tout de suite, Mathieu, ça va? Oui, il est prêt. Fais de la tête. Il est prêt. Bon, voilà. Parce que bonjour, Mathieu, la Bindegno. Bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même. Ben oui, vous, c'est vous, nous deux, hein, c'est ça? Certainement, oui. Certainement. OK, ben je te flush là, hein, c'est fini. Il y a une association. Peut-être qu'on pourrait en parler. Qui peut prendre la parole? Il y a une association des orthopédagogues. Qu'est-ce que ça fait, cette association-là? Certainement, ben Lucille l'a mentionné, en fait, quand elle a lancé avec Christelle l'idée du balado, là, l'association a embarqué, ils se sont tournés vers l'association. Moi, je suis président directeur général de cette association-là, donc avec toute l'équipe des membres, l'équipe de la permanence aussi. Le rôle de l'association, si je le résume tout simplement, c'est de soutenir les membres. Donc, nous, notre rôle, là, c'est de répondre aux besoins des orthopédagogues. On s'entend là sur le plan professionnel. Donc, nous, il existe des syndicats, par exemple, pour défendre les conditions de travail. Nous, ce n'est pas notre mandat. Mais tout ce qui est profession, la formation continue, les questions qu'on peut avoir dans notre milieu, les enjeux, les situations délicates qu'on ne sait pas trop gérer avec des parents, avec la direction, peu importe. Nous, on a plein de ressources qu'on peut offrir aux orthopédagogues ou aux membres. Donc, les gens se tournent vers nous, on les rencontre, on discute. Il y a plein d'activités aussi qu'on offre. J'ai parlé des formations, il y a le colloque annuel. Donc, gros mandat, mais si on résume ça simplement, là, c'est de soutenir le besoin des membres. OK. Lucille, parce qu'on a parlé de Mathieu, tu viens de dire s'il y a des difficultés, s'il y a des situations un peu plus délicates. Lucille, avec les parents, ça se passe comment? Moi, je suis très choyée. J'ai des parents qui sont collaborateurs. En fait, j'ai été dans des milieux qui sont défavorisés, comme là, maintenant, je suis dans un milieu plus favorisé. Et à chaque fois, les parents se sont impliqués. En fait, moi, je pars du principe aussi que les parents, c'est des humains, et comme nous, bien sûr, et qu'il y a des peurs, en fait. Et donc, des fois, c'est sûr que d'avoir cette démarche, de demander un diagnostic, d'aller voir un professionnel, pour des parents, ça peut faire peur. Aïe, aïe, aïe. Selon ce qu'ils ont vécu. Donc, moi, j'accepte que leur rythme est peut-être pas autant avancé que le mien, parce que moi, je suis dans le milieu, fait que je comprends pourquoi l'évaluation est importante. Mais pour eux, peut-être, c'est une autre chose, parce qu'il y a leur histoire aussi. Donc, j'accepte ce rythme-là. Ça ne se passe pas toujours bien, j'avoue, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu de mauvaises expériences avec des parents. Parce que souvent, certains parents vont dire « ben moi, j'ai réussi sans ça ».
Exact. Je pense que je suis dyslexique. C'est pas vrai que mon enfant va partir avec un ordi puis il va se faire juger par les autres, blablabla. Là, exact. T'sais, des fois, ça part vraiment sur une dérape. Ouais. Donc, toi, ce côté-là, parent, ça va bien. Il n'y a pas, peut-être une fois de temps en temps, il y a un parent qui réagit comme on veut pas qu'il réagisse, en fait. Ouais. Ça arrive à l'occasion. Mais tu sais, mon background en bon français de théâtre, en fait, c'est ça que ça m'a aidé. C'est parce que quand on était en théâtre, on est obligé de développer les compétences de collaboration, de gérer différentes personnalités, etc., pour aller vers un même objectif. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ouais. OK. Lucille, on va se quitter si ça ne te dérange pas. Je vais terminer avec Mathieu, parce que Mathieu est à l'université aussi et tout ça. Lucille, continue ton excellent travail. Merci. On va écouter la balado. Christelle a mis le lien dans la conversation. Et tout ça, évidemment, on peut, nous aussi, ça, on va être en balado, tu sais, on ne met juste même pas de bon sens, avec les liens qu'on va vous donner plus tard. Merci beaucoup, Lucille, de ta présence ce soir. C'est vraiment gentil. Continue ton excellent travail. Merci, bonne soirée. J'espère, Mathieu, que je n'ai pas dit trop de bêtises. Hein? Non, c'était excellent. Je t'ai écouté tout le long. Tout était parfait. Là. Même pas, il a écrit dans le chat privé qu'il allait te rencontrer après. C'est ça. Merci, Lucille. Bye. Alors, bonjour Mathieu. Donc, là, il y a l'association, tu en es président-directeur général, mais qui est à la base Mathieu Labine-Daigneau? Ben, Mathieu, c'est un petit gars qui, depuis la maternelle, veut être prof. Donc, lui, là, il n'a jamais changé d'idée depuis la maternelle qu'il voit les profs aller, puis il veut être prof. Okay. On lui dit un jour, puis c'est même en sixième année, l'orthopédagogue de l'école lui dit « Ben, tu devrais peut-être aller en orthopédagogie, en adaptation scolaire, parce que ça t'ouvrirait plus de portes. T'es formé, en tout cas, c'était l'opinion à l'époque de l'orthopédagogue. Ouais. Ça m'a trotté aussi dans la tête. Et donc, quand j'ai fait ma demande d'admission, ça a été directement en adaptation scolaire. J'ai fait une demande d'admission dans une université. Donc, je savais où je m'en allais, je savais ce que je voulais. Donc, j'ai fait quelques années, c'est ça, comme orthopédagogue. En fait, moi, je voulais enseigner en classe et ce qui me passionnait, c'est les élèves qui sont un peu turbulents. Moi, j'aime les titanants, j'aime le franc-parler qu'on a, la camaraderie. C'est vraiment ce que j'apprécie. À la limite, les élèves avec des difficultés d'adaptation, des troubles du comportement, c'est ce que j'aimais beaucoup. Finalement, je suis tombé sur un poste d'orthopédagogue, donc en dénombrement flottant. Là, donc au même titre que Lucille. Exactement, même chose. Et puis, finalement, je suis tombé en amour avec ça. Je me suis dit, OK, j'aime encore plus ça que d'être dans une classe. Ouais. Mais c'est complètement, c'est deux choses complètement différentes. Là. C'est... Oui, tout à fait. Puis j'ai l'impression, un peu comme Lucille le disait, en tant qu'orthopédagogue, là, dans notre bureau, ou bref, en collaboration avec les classes, on a la chance d'un peu d'avoir les deux mondes. Hein. On a la chance d'aller en classe, d'animer les activités. Tu as ton petit thrill d'adrénaline, puis après ça, tu peux retourner faire tes interventions plus individualisées. Fait que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Et puis, après, par la suite, je me suis impliqué à l'association bénévolement et au fil des années, avec les idées qu'on avait et tout, j'ai décidé de m'impliquer encore davantage. Et donc, voilà, maintenant à la tête de l'association. Et tu n'enseignes pas aussi à l'université? Oui, exact. Donc, j'enseigne à la maîtrise en orthopédagogie à l'UQAM. Donc, par la bande, après avoir fait ma maîtrise, j'ai choisi de continuer. On m'a demandé si je pouvais donner une charge de cours. Ça s'est transformé en plusieurs charges au fil des années. Fait que, dans ma tour d'ivoire, appelons ça comme ça, là, sans mauvaise prétention, la tour d'ivoire dans laquelle je suis à titre de directeur de l'association, bien, je trouve que ça me donne un petit œil sur le terrain parce que je rencontre plein d'étudiantes en enseignement. Fait que c'est super enrichissant. Donc là, tu fais tes charges de cours, tu es directeur, mais président-directeur général de l'association, mais là, tu n'es plus dans une école. Là. Non, là, l'horaire ne le permet plus, malheureusement. Non, à un moment donné, hein, faut, c'est ça. L'assiette est pleine. Hein? Faut faire des choix, oui, exact. C'est ça. Mathieu, les difficultés d'apprentissage, c'est une méchante patente. Ça ne date pas de 70 ans, là, les études sur le cerveau, comment on apprend et tout ça et tout ça. Puis là, il y avait même des... je ne me souviens pas comment on appelait ça, là, comment on apprend là, avec les yeux, les oreilles, il faut bouger. L'apprentissage. Ou les types d'apprentissage. Tu vois, les types d'apprentissage. Là, ça a été, semble-t-il, que ce sont des mythes. On voulait parler beaucoup de lecture et d'écriture. Je vais juste parler de Jude Royer qui martèle
qui frappe sur le clou de l'écriture puis de la lecture surtout. Qu'en est-il de la lecture au Québec de nos jeunes, là, en général? Est-ce que ça va bien ou... Ben, est-ce que ça va bien? Écoute, je dirais que ça va peut-être pas si mal, mais il y a place à amélioration. Hein, parce qu'on sait que les études disent, bon, moi, je suis pas chercheur, j'enseigne à l'université, je suis un praticien à la base, fait que bon. Mais on sait que les études parlent d'un taux d'analphabétisme fonctionnel de 50%. Fait qu'on a, là, un peu intense, je trouve. Ben, c'est très intense. Quand je dis il y a place à l'amélioration, en fait, c'est un euphémisme. Là. J'essaie d'être gentil. Ouais. Donc, est-ce que ça va bien? Oui. Il y a du travail à faire. Là. Et là, tu parlais des recherches. Il y a des méthodes d'enseignement de la lecture qu'on peut privilégier, par exemple. Certainement. Puis ça, tu dis que ça fait longtemps, tu dis que ça fait pas si longtemps qu'on parle de troubles d'apprentissage et tout, c'est vrai. Hein? Je lis encore, je suis en train de relire l'histoire de l'orthopédagogie à partir des années 60 au Québec. Super intéressant comment ça a évolué, puis comment on a traité aussi les difficultés d'apprentissage. Mm-hmm. Donc, tu sais, on parle des années 60, mais en 2000, dans les années qui ont suivi, là, nous, depuis 2000 à peu près, on sait... Aux États-Unis, on a établi c'est quoi les meilleures façons d'enseigner la lecture, d'enseigner à lire et à écrire, en fait. La difficulté qu'on a, c'est qu'il manque cette transition-là dans la pratique dans plusieurs milieux. Là, je ne peux pas généraliser parce qu'il y a des milieux qui font ça très, très bien, qui vraiment s'appuient sur ces savoirs-là. Mais je dirais dans nos politiques, même dans notre programme de formation, mm-hmm. Il y a des éléments où, ben, on dit, ouais, il manquerait, là, entre autres, l'exemple que je pourrais donner, c'est l'enseignement explicite des correspondances entre les lettres puis les phonèmes, entre les lettres puis les sons. Mm-hmm. Ça, on a démontré depuis 2005 que, clairement, c'est la méthode à privilégier. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté toutes les autres, mais c'est une méthode à privilégier. Et bien, c'est ça, je dirais que ça n'a pas fait son chemin là, partout dans les milieux. Mais il y a clairement, parce qu'on avait une émission sur les données probantes. Oui. Après cette émission-là, j'ai parlé avec Steve Bissonnette après, qui est un très grand défenseur des données probantes en éducation. Puis de notre émission qu'on a eue et de la discussion que j'ai eue avec Steve, on a l'impression qu'il y a vraiment un clash entre ce qui se passe en recherche et ça ne descend pas. Oui. Ça ne descend pas. Pourquoi ça ne descend pas? Tu n'as peut-être pas de réponse, là. Mais je veux dire, si on sait qu'une certaine méthode fonctionne, ben, disons là, à 75%, c'est quand même pas pire, 75%, là. Tu sais, on va parler après ça de difficultés, de d'autres difficultés de l'élève, mais si on sait qu'une façon fonctionne à 75%, faudrait cocher oui, là. Bien, je pense aussi, là, l'épisode dont tu parles sur les données probantes, je l'ai écouté, moi, ça m'intéresse beaucoup, puis j'ai beaucoup aimé les nuances qui ont été apportées dans le cadre de l'épisode. Je trouve ça très intéressant, puis, tu sais, oui, je sais que la recherche dit ça, mais c'est important quand même en tant que professionnel, qu'on soit enseignant, orthopédagogue ou autre. Avoir un regard critique. Là. Exactement. Ouais. Maintenant, je pense que ce qui est important... Moi, ce que je retiens comme praticien dans tout ça, c'est je foncerai pas les yeux fermés quand on me présente un résultat de recherche, c'est sûr. Puis, je peux pas tout changer du jour au lendemain parce qu'il y a une autre recherche qui sort ou autre. Ça, on le comprend. Par contre, quand vient le temps de prendre des décisions par rapport aux interventions que je vais prioriser, parce qu'on le sait, là, tout le monde manque de temps dans les milieux scolaires. Les orthos, les enseignants, tout le monde. Fait que, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis quand vient le temps de choisir les interventions que je vais prioriser, bien c'est là, je pense, où en tant que praticien, on devrait s'appuyer sur ce qui est peut-être plus solide. Ça ne veut pas dire que le reste ne fonctionne pas. Puis si on a le temps, peut-être qu'on ira jouer là. Mais dans le temps limité qu'on a, je pense qu'on a des choix à faire. Puis c'est un facteur qui nous aide à privilégier des interventions par rapport aux autres. Maintenant, si ça ne se rend pas dans les milieux, je pense qu'il faudrait se questionner peut-être de la façon où on pourrait transmettre ces informations-là, mais j'irai encore plus loin, puis je dirais dans les milieux, est-ce qu'on est outillé? Premièrement, est-ce qu'on a le temps de réfléchir à ça? As-tu le temps? Tu sais, vous parliez justement dans l'épisode sur les données probantes, on parlait des conseillers pédagogiques qui n'ont même pas le temps parfois d'analyser les recherches et tout. Dans le milieu, sur le terrain, j'ai encore moins le temps là, de me questionner, à lire les... Tu sais.
Ben non, je suis obligé de faire des plans d'intervention. C'est ça, puis plein de plans d'intervention, puis je suis obligé, tu sais, d'aller faire mes surveillances, puis là, oups, j'ai dépassé parce que la minute dans ma tâche, c'est tant de minutes, puis là, ben, c'est ça. Je pense qu'il y aurait moyen de se questionner sur le temps, la latitude ou le temps. Tu sais, ça prend du temps pour penser, là. Tout le monde le dit, les grands penseurs, les grands dirigeants de ce monde disent, un moment donné, il faut que tu mettes tout à off, puis tu penses, tu réfléchisses, puis tu sais. Fait que je pense qu'en éducation, sur le terrain, ça pourrait être intéressant. C'est j'adore. Pas moi, c'est pas nous, mais j'adore ce que les gens se pensent. J'adore ce que tu viens de dire là, de prendre le temps de réfléchir. J'adore ça, ça me parle beaucoup. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est souvent, bon, on parle de pédagogique, là, les journées pédagogiques, bon, on n'a pas eu bien cette année avec toute la tempête et toutes les patentes, là, mais bon. Mais, tu sais, je me souviens, moi, de ma direction, elle disait, OK, bon, on a une formation toute la journée, un pédago, là, j'étais là, je fais comme. Ouais. Mais, on sort tout le temps avec quelque chose de cette formation-là. Là, tu sais. Non, ça, j'aime pas ça. Ça, je le ferai pas de même. Ah, ouais. Puis là, ne veut pas sa part, puis on réfléchit pareil. Hein. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu enseignes à la maîtrise? Exact. Qu'est-ce que les gens vont chercher de plus avec une maîtrise? On fait un bac, on travaille. Pourquoi une maîtrise? je vais parler pour moi d'abord. Pourquoi moi, je suis allé? Moi, je suis arrivé sur le terrain, j'avais mon bac en adaptation scolaire, puis je ressentais qu'il me manquait des informations. Je voyais d'autres personnes aller dans mon milieu, puis je me disais, il manque des connaissances. En fait, je ne me sentais pas compétent, je vais dire comme ça. OK. Un autre imposteur. Exactement, dont on parlait tantôt, là, tu sais. Donc, je pense que c'est ça un peu qui m'a dirigé vers la maîtrise. Puis, dès le premier cours à la maîtrise, puis, bon, la formation varie d'une université à l'autre. Je ne pourrais pas parler pour les autres universités nécessairement, mais on a de très bons programmes de formation au Québec là, en orthopédagogie. Dans mon cas, la maîtrise, je me souviens que le mardi soir, j'avais mon cours, puis le mercredi matin, j'étais capable de mettre en place des trucs que j'avais appris auprès des élèves. Et ça, là, c'est là où j'ai dit, OK, aïe, aïe, tu sais, oui, j'avais toute la base. Puis c'est ça, là, quand on regarde ailleurs, en orthophonie, qu'on regarde, même, mettons, je vais comparer aux médecins, la formation initiale, les premières années, c'est nos fondements, c'est nos bases. C'est... Ouais. Puis après ça, plus on avance dans le processus de formation initiale, plus on va aller plus pointu, disons, pour certains sujets ou certaines problématiques ou certaines interventions. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé pertinent à la maîtrise. Puis, je pense que c'est ce que les étudiantes à qui j'enseigne trouvent aussi. Ouais. Mathieu, écoute, c'est déjà tout. Ça passe trop vite, cette émission-là. Puis, je ne suis pas capable de faire, je le dis à chaque fois, je ne suis pas capable de faire une émission d'une heure tapant. Il va falloir que l'Internet coupe. Non, il ne faut pas t'arriver. continue ton excellent travail, Mathieu. Je vois aussi Lucille. Ben, tiens, je peux te faire revenir, Lucille. Hein? On va la faire revenir. Voilà, Lucille. Moi, Lucille, j'étudie des niaiseries ou c'était correct? On ne coupe pas au montage ici, là. C'est en direct, là. Il n'y a pas d'affaire de main. Mathieu, merci beaucoup pour ton travail. Continue d'aider les orthos, parce que c'est ça que vous faites avec l'association. Lucille, continue ton excellent travail. Tu aides les élèves au quotidien. Une balado avec ça, comme si on n'avait rien d'autre à faire, hein, comme si on n'avait pas de... Exact. On avait du temps en plus. Je vous trouve exceptionnel. Merci, continuez votre excellent travail. Puis, comme je dis à tous nos invités, si vous avez des projets, des belles choses qui se passent dans votre milieu, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour ce temps. Merci excellent. À toi, Pierre, pour l'initiative. Au plaisir. Merci, à la prochaine. Bye-bye. Bye. Au revoir. Brault et Boutillier met au service de la communauté scolaire et de la petite enfance sa passion de la pédagogie et son expertise technique pour vous présenter des outils qui contribuent au développement global des enfants. La nouvelle plateforme bbpédago.ca propose du contenu exclusif développé par des spécialistes des domaines disciplinaires sous forme de vidéos. Vous y trouverez une foule de capsules gratuites sur des sujets pédagogiques pertinents et du contenu premium pour vos besoins en formation continue. bbpédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpédago.ca.